Chère mamie, 2020 a été vraiment bizarre. Pourtant, tout avait bien démarré. Il y a un an, j'ai rencontré des nounours géants à Valence. Il y en avait plein partout, même sur la grande roue. J'ai pris des photos avec eux sur le marché de Noël, pendant les féeries. C'était vraiment rigolo. En janvier, papa m'a emmené sur le champ de Mars pour me faire goûter la truffe noire. C'est un champignon qu'on trouve beaucoup chez nous, mais qu'en hiver. J'ai trouvé ça bon et papa en a beaucoup mangé. En février, je suis allée voir des spectacles au théâtre de la ville. Et des tableaux au musée. J'ai même vu des vieilles voitures au rallye Monte-Carlo. C'était super bien. Quand le printemps est arrivé, papa et maman m'ont expliqué qu'il y avait des élections. Plusieurs personnes proposent ce qu'ils veulent faire dans la ville et les adultes choisissent celui qu'ils préfèrent. Personne n'a proposé qu'on mette du chocolat dans la fontaine monumentale. J'étais un peu déçue, moi. Et puis, j'ai entendu mes parents parler de Covid. Je ne savais pas qui c'était, mais vu la tête qu'il faisait, je n'avais pas très envie de le voir. Ils m'ont expliqué que c'était un virus et qu'il fallait qu'on reste à la maison pour ne pas l'attraper. Moi, j'étais plutôt content parce que j'avais mes parents avec moi toute la journée. Mais ils se sont aussi occupés de ceux qui en avaient besoin. Ils ont distribué des masques et ils ont fait des courses pour des papiers et des mamies comme toi. Ils m'ont expliqué qu'il y avait des gens qui travaillaient beaucoup et qui étaient très courageux malgré les risques, comme les infirmières ou les caissières, et que c'était important de faire ce qu'on pouvait nous aussi. Le confinement s'est terminé juste avant les vacances. Comme on ne pouvait pas voyager loin, on y est resté à Valence. C'était chouette parce que je pouvais revoir mes copains. On se retrouvait vers les châteaux d'eau et à Châteauvert pour profiter des canaux. La rentrée s'est bien passée, même si je dois porter un masque. Je suis un peu un super-héros du coup. Mon pouvoir, c'est d'aider les gens à pas tomber malade. Ça n'a pas empêché le virus de revenir. C'est pour ça que j'ai pas pu venir te voir. Papa et maman m'ont emmené voir les illuminations aussi. C'était vraiment beau. J'aurais bien voulu que tu sois là, mais maman m'a dit qu'il fallait que je sois encore un peu patient. En attendant, je te fais des dessins. J'espère que tu vas les recevoir bientôt. J'ai hâte qu'on puisse retourner au parc tous les deux et manger des Suisses. Je te souhaite une bonne année, mamie. Une meilleure année, où on sera enfin ensemble.